Action! Quand tu veux, Cécile. Et purée, c'est quoi ça? Et c'est rien, allez, on la refait. Coupez, coupez. Ça tourne. Vas-y Cécile, c'est quand tu veux. Action! Cinq minutes. C'est pas fini votre petit jeu, vous voyez pas que je suis en train de travailler? C'est vous, c'est vous. Et vous voyez pas qu'on est en plein tournage? Mais si, mais ça. Vas-y, Cécile. Hello? C'est pas vrai! Vous voyez ça? Mais vous voyez pas que je suis en train de travailler? Mais on est sur un tournage! 5 minutes! Action! Non, encore! Allez, la rose, ouais. La rose! Non! Oh, la rose! Action! Vous me le chopez maintenant, allez, hop! Ça va, ok. C'est chaque fois pareil! Trois fois, quatre, je ne sais plus! Ça tourne. Action! Cécile, on va bientôt y aller, hein. On va la tourner. Sortez du cadre. Action. Maintenant, c'est...
Vous connaissez Biscuit? Un biscuit croustillant nappé de M&M's, Twix, Mars ou Bounty. Un mélange tellement irrésistible. Et maintenant, découvrez les tout nouveaux Biscuit à savourer à la maison. Plus qu'un biscuit, c'est un Biscuit. Kidibou, le bâtonnet au fromage blanc avec du lait qui favorise la croissance. Kidibou était plus fort. Centre de l'habitat. Cette année, le Centre de l'Habitat agrandit encore sa salle d'exposition. Avant mes travaux, tout doit partir. Meubles d'ébénisterie, chambre, cuisine équipée, literie, salon haut de gamme, tous mes prix sont écrasés. Il faut absolument venir me voir. Le chemin des bonnes affaires, c'est le Centre de l'Habitat, E42 sortie 14, Sambreville. Centre de l'Habitat. Dès ce mardi 30 mars, les quotidiens de Vers l'Avenir vous fixent un rendez-vous très iodé. Toute la semaine, découvrez plage par plage les plans et le guide de nos cités balnéaires. Le littoral se dévoile dès ce mardi, rien que pour vous, dans Vers l'Avenir, le courrier de l'ESCO, l'avenir du Luxembourg, le jour et le courrier. Voici Monsieur Propre Surface Fragile. Grâce à sa formule au pH neutre, il nettoie à fond sans abîmer votre parquet. Sa magie, c'est sa puissance. Recevez directement via SMS tous les résultats de la Ligue Jupiler. Pour les résultats du week-end, inscrivez-vous en envoyant un SMS au numéro 3028 avec le code RTBF espace footjup. Pour le classement général, tapez le code RTBF espace footclass. Plus d'infos, télétexte page 399 avec la RTBF et Itri. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Sport à la 2. Dès 15h, nous avons rendez-vous avec Laurent Bruvier sur la route de la Flèche Brabançonne. Juste après, et là nous parlerons rallye, nous aurons un large résumé des boucles de Spa, mais tout de suite, un documentaire particulièrement bien réussi, intitulé « Le haut du pavé ». Il nous parlera, vous l'aurez deviné, de la mythique course qui est Paris-Roubaix, pas sous la forme d'un résumé, pas sous la forme d'un historique, pas sous la forme d'un descriptif. En fait, la caméra du réalisateur s'est promenée vraiment au cœur de l'enfer du Nord, dans les coulisses de cette épreuve cycliste hors du commun. Et notamment, elle s'est retrouvée, cette caméra du réalisateur, dans la voiture d'un directeur sportif, Marc Madiot, qui, par parenthèse aussi, a remporté deux fois Paris-Roubaix. Jacques Godet disait, écrivait... Paris-Roubaix est une folie que le sport cycliste propose chaque année à ses officiants, je crois que c'est ça. Alors, Paris-Roubaix est une folie, oui, bien entendu, à savoir que c'est quelque chose d'extraordinaire, une course sur des routes archaïques, dangereuses, pleines de risques, qui font mal à l'organisme, donc c'est un peu une folie, mais une folie librement consentie. C'est une folie que le sport cycliste propose, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'accepter, n'est-ce pas ? Propose chaque année à ses officiants, bah oui, ceux qui sont motivés, qui croient, qui veulent Paris-Roubaix, eh bien, ils l'ont à leur disposition une fois par an. On fait ça à 10 minutes à quart d'heure, mais tranquille. Hein. Allez les gars! Ici, c'est pour les sensibiliser et les faire travailler sur les problèmes d'adhérence qu'ils peuvent rencontrer sur tout type de course, et surtout une course comme Paris-Roubaix où il va falloir apprendre à être adroit sur les pavés notamment. Faut mouiller quoi. C'est là l'avantage qu'on a par rapport à d'autres coursiers, quoi, tout simplement. Et puis bon, affronter aussi le froid. Et ça aussi, des moments où il faut s'entraîner quand il pleut, quand il neige, le cyclocross le dimanche, on ne sait pas quelles conditions climatiques on va avoir. Donc c'est pour ça que quand même, le cyclocross, ça nous apporte quand même beaucoup d'avantages.
Bon là c'est un pisteur. Donc c'est vrai que lui il a tout à apprendre, hein. Ça n'a rien à voir pour la piste. Allez, allez, brotte. Oh, ouais, faut pas se relâcher. Écoutez le public de Roubaix. Fini à 60 à l'heure, c'est prodigieux. Mathieu, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois. Le seul Français à avoir réussi Paris-Exploit depuis 1921, depuis 70 ans. Vainqueur du 89e Paris-Roubaix, vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation, Marc Mathieu. Quand t'es sur ton vélo, ouais. Tu passes comme ça, il faut que tu profites bien de l'élan. Et quand tu arrives le pied là, c'est ce qui doit te propulser en même temps. Ah ouais. Bah, faut que ce soit pas un mouvement haché et arrêté. Faut que ce soit en perpétuel mouvement. Faut que tu profites de ta vitesse. Tu dois jamais freiner. Moins tu freines, moins tu dépenses d'énergie. Moins tu dépenses d'énergie, plus t'es performant. Ouais. Allez garçon, c'est reparti pour un tour. Amuse-toi. T'as vu, hein, c'est pas simple. Hein. Non. Je crois que c'est celui qui est le plus motivé par Paris-Roubaix. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il sait passer cette motivation à ses coureurs. Il est plus à fond que ses coureurs pour Paris-Roubaix. Lui, je suis sûr que déjà dans ses stages d'entraînement en début de saison, il est déjà à Paris-Roubaix et il est encore sur le vélo, donc il doit motiver ses coureurs à bloc pour Paris-Roubaix. Le foyer de main qui en dit non, dernier kilomètre de Cyril Guimard avec Marc Madiot, et Cyril Guimard qui réédite ainsi une autre de ses victoires. La victoire de Madiot en 85, lorsqu'il était dirigé par Cyril Guimard, la présence simple de Cyril Guimard a apporté énormément de choses dans cette victoire. Je pense qu'il y a un parallèle entre Guimard-Madiot, Madiot-Guédon. En fait, Guimard donne son savoir en bon pédagogue, en bon entraîneur, donne son savoir à Madiot. Madiot le retransmet à Guédon. Et Guédon, qui est loin d'être un coureur bête, est vraiment très intelligent. Il a compris tout le savoir, les conditions ont été favorables pour qu'il gagne. Et donc en 97, c'est véritablement un grand Guédon et un grand Madiot. Voilà le virage à droite. Nous cinq sur le vélodrome. Moncassin et Chmilin ont été repris juste avant l'entrée sur le vélodrome. Frédéric Moncassin en première position, juste derrière lui, Johan Busséon. Mon rôle, ça a été d'essayer de lui faire comprendre que non seulement il pouvait bien réussir sa course, mais qu'il pouvait éventuellement la gagner. Le petit truc qui fait passer de la 5e ou 10e place à la première éventuellement. Le dernier tour, un tour de piste. Frédéric Moncassin en première position, Busséon en deuxième position. Schmiller en troisième position, Sorensen en quatrième position, Marc Wauters est là également, tout comme Jean Plancart, toujours Moncassin calé à la corde. Et voilà. Allez vous rhabiller. Incroyable. Guédon, coute, coute. Frédéric Guédon de la Française des Jeux, Sur le podium, il va recevoir les fleurs, il porte le nouveau maillot, un nouveau maillot de ce peloton professionnel. C'est bien sûr le maillot de la Française des Jeux, directeur sportif Marc Madiot. Et s'il faut tirer un immense coup de chapeau à Frédéric Guédon, il ne faut surtout pas oublier, au moment de la distribution des lauriers, Marc Madiot. Vous avez entendu tout à l'heure Frédéric Guédon dire, depuis pratiquement le mois de septembre dernier, avec Marc Madiot, on ne parle que de ça. Marc Madiot, qui l'an dernier avait vu la 14e place de With a good sleeping, yeah. Good massage. Yeah. So it will be more. I can't believe how you're like this with your bum jumping on the seat. You see on TV? Yeah, before, but it doesn't look so bad on TV. You can say I was in this place. Sur le pavé, vous rentrez 40e, 50e, vous voyez que devant, ça filoche. Vous filochez. Vaut mieux perdre 10 places que de chercher à en gagner 10.
Je me répète chaque année pour ceux qui sont là depuis plusieurs années avec moi, mais c'est vital. Si vous êtes économique sur le pavé, et toute la journée, à un moment ou à un autre, dans le final, vous aurez de la force en plus. C'est, non, mais c'est con, mais j'insiste bêtement. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte chaque année, quand on regarde les trucs à la télé, il y a des mecs qui roulent comme des cons parce qu'il y a la télé, parce que c'est Paris-Roubaix. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'autant plus que si c'est sec, sur certains secteurs, vous les avez reconnus, vous devez sentir si vous pouvez dévisser ou pas. Donc dans ces secteurs-là, on est économique, on enlève la petite dent et on reste. Et on se laisse, on perd quelques places, c'est pas grave. C'est tout de suite regagné à la sortie. Par contre, si vous sentez qu'il y a... Moi, je vous guiderai aux oreillettes. Si avant de travers, en sortant des pavés, il faut être placé. Donc à vous d'être lucide en permanence. Ne vous laissez pas déborder et emporter par l'événement. Restez lucide, analysez, comprenez, regardez qu'il y a autour de vous. Si vous voyez qu'il y a une cassure, et vous voyez qu'il y a un gros, un mappel, un gros avec vous, un vent de pétégame ou je ne sais qui, vous faites le mort, vous vous laissez ramener. Ces gens-là, ils doivent vous ramener, eux, ils vont faire l'effort de toute façon pour rentrer. Profitez de toutes les situations. Dans ce genre de course, soyez économique et profitez de tout ce qui se présente devant vous. Chaque petit dixième de force économisée, c'est ce qui vous permettra peut-être d'être dans le final avec les meilleurs. Si vous voulez vous en sortir dans cette course-là, c'est la seule solution. La seule solution. Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a qu'une. Ou alors, il faut s'appeler Taffy ou Museu ou machin. Mais ce n'est pas notre cas. Du moins, pas pour l'instant. Et même si c'était notre cas, ce serait la même chose. On a l'impression que la potion magique, elle est quand même concentrée dans un petit nombre de mains. C'est justement, les bons sorciers, ils gardent toujours. L'unité de coureur cycliste, il ne s'apprend pas, il se vole. Oh, mais moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, les anciens m'ont toujours dit et ça. On se fait sa propre expérience. C'est pas du tableau noir, c'est pas du béaba, c'est pas un livre dont on apprend une page chaque jour. C'est des petits ingrédients qu'on s'approprie et qu'on... c'est comme le cuisinier, ça. Que l'on façonne à sa propre façon. Il y a des courses qui ont besoin des coureurs pour exister. Et pour des courses comme le Tour de France ou Paris-Roubaix, c'est l'inverse. C'est nous, coureurs, qui avons besoin de ces courses-là pour exister. Donc, la course suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de noms ronflants au départ pour exister. Elle a tellement sa légende que... Ouais. C'est la course même qui fabrique ces coureurs. Le mec qui gagne, c'est forcément un bon coureur, quelque part. Même s'il n'était pas forcément attendu à l'arrivée. Mais c'est forcément un bon coureur. Déjà parce qu'il l'a voulu. C'est vrai. De toute façon, on ne change rien comme hier. On a dit dès le départ, sans se remettre dedans. En partant d'ici, on sent déjà la sensation du mollet qui bouge un peu, la petite douleur qui arrive. On essaye de trouver des motivations pour arriver sur les pavés et puis avoir un gros cœur et puis une envie de traverser cet enfer. Quoi. Ça c'est une course. Allez, ciao! Aujourd'hui, je pourrais pas en faire une année sans faire Paris-Roubaix, parce que Paris-Roubaix, c'est un peu aujourd'hui mon bébé, et je le couve comme on doit couver une telle épreuve. Quelqu'un qui nous est cher, ouais, ou quelque chose qui nous est cher. Vient du vélo tous les deux. Moi, j'ai comme toi un attachement au pavé, mais en vieillissant, il est devenu moins sportif, peut-être moins attaché à la course, ce que tu fais parfaitement. Et moi, mon attachement, il est plus, je le sens maintenant, plus régional, plus patrimonial, tu vois. Je ne peux pas empêcher de marcher sur ces pavés-ci, comme sur d'autres, en me disant, ben voilà, autrefois, il y a des paysans avec leur cheval, leur carriole qui ont roulé là, il y a des mineurs qui allaient travailler avec un gros vélo là-bas. Et c'était une fonction, une route qui avait un rôle social, un rôle de communication.
les gens ont pris conscience que les pavés du Nord, s'ils disparaissaient demain... Mais c'est une prise de conscience relativement récente, car moi je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, la mode était à la destruction des pavés, les maires voulaient remplacer ces chemins par de l'asphalte. Il était presque honteux d'avoir des pavés sur sa commune, on parlait d'enfer du Nord. Pour l'image, je me souviens que Pierre Mauroy d'ailleurs, à un moment, nous avait dit, mais vous comprenez, c'est négatif pour l'image du Nord, cette expression « enfer du Nord ». Et je le comprenais. Et il me semble qu'on a réussi à inverser la tendance aujourd'hui, à faire passer ce message patrimonial, environnemental. D'ailleurs, c'est un peu plus à la mode. Et aujourd'hui, les politiques se disent, ils ont raison, il faut qu'on garde ça. C'est notre passé, c'est à nous, et soyons-en fiers. Regarde-moi bien ce bon travail là. Tu te rends compte là, il y a presque deux voitures qui passent là. Ouais. C'est la différence. Avant, hein. Ça passait pas. Alors qu'avant, ça s'arrêtait là. Et ça s'arrêtait ici. Ouais. On gagne un mètre. En gros, on est bien dans les deux côtés. Ouais. Tu te rends compte là, regarde l'épaisseur de terre qu'il y a. Oh ouais. On n'aurait jamais trouvé une entreprise. Non, on aurait perdu trop de temps. Pas ce genre de travail. C'est plus un lycée comme le vôtre qui puisse faire ça. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de tracer ces houes. Ouais. Mais il faudrait qu'elles soient consolidées, quoi, qu'elles soient en béton, qu'elles soient. C'est bien parce que c'est un jour qu'on roule dessus, hein, tu crèves ici, tu seras pas. L'année prochaine, tu fais ça en junior, c'est ça? Non, en calme. En espoir, tu fais. Espoir. C'est bien. Donc tu passeras sur le pavé que tu as rénové. Sur ton pavé. Alors si tu tombes, c'est ta faute là. Moi, je serai derrière toi, je te préviens. Hein. Si je te double, ça ira mal. Hein. T'as vu le tableau? Un pétard, ouais. C'est parti. Ouais, une grosse vingtaine, hein. Ah oui, vas-y. Trentaine, hein. Ça pète. On a Jackie devant, Restez devant le peloton, hein. Restez devant, hein, parce que ça peut ressortir. Hein. Il y a une tension nerveuse qui s'installe au fil des kilomètres, et plus on se rapproche des premiers secteurs pavés, plus... plus la course est nerveuse, plus ça frotte, plus il y a des risques de chute. C'est les guidons qui touchent derrière, dans les fesses, sur les côtés. C'est le coureur qui pousse sur le côté. C'est les coups de frein, c'est les relances, c'est éviter les coureurs, les vagues. C'est en fait frotter, c'est au millimètre quoi. Le sprint va commencer. Les gens mal placés, ils vont commencer à monter sur les trottoirs, à passer dans tous les sens. Donc en montant les trottoirs, il y a un risque de crevaison, c'est évident. Risque de chute peut-être aussi. On ne connaît plus mère et père, chacun pour soi. Chacun est prêt à mourir pour pouvoir rentrer dans les meilleures positions possibles dans le secteur pavé de Trois-Villes. Quoi. Les premiers hectomètres sur les pavés au niveau psychologique sont importants. On sent si on est dans le bon tempo ou pas, si on a les bonnes sensations ou pas. Donc parfois au bout de quelques centaines de mètres, on sait qu'il faudra revenir l'année d'après pour pouvoir avoir une chance de gagner, quoi. Mais maintenant c'est Taconi. Mais tu te laisses emmener hein, comme d'hab hein. Oh, super. C'est pas grave. C'est pas maintenant qu'il faut être bien. C'est pas maintenant hein. Maintenant tu manges et tu te laisses emmener. Et bien au chaud. Vous allez avoir la pluie un peu plus loin hein. On m'a téléphoné, ça va être humide. Mais tu changes rien sur les gonflages et tout. Normalement tout est réglé, tout doit passer.
C'est bien les gars, restez bien placés, hein. Restez bien placés et maintenant il va falloir se battre. Hein. Vous vous battez comme des chiffonniers pour rentrer placé sur les pavés parce que ça va péter d'entrée. Sur un secteur pavé, c'est un piège. L'effectif, ils roulent, ils sont tous roue dans roue, ils veulent pas lâcher le morceau et ils voient rien. Et je pense que les coureurs ne se rendent pas compte où ils vont. Bon, il veut rentrer, mais il pense pas que ça l'a touché, que ça va se casser la figure. Il pense que tout va rentrer. Et malheureusement, tous les ans, il y a des tas de coureurs à terre. En général, les chutes sont assez spectaculaires. Donc c'est ce qui fait qu'on dit « Oh là là, c'est dangereux ». Oui, d'accord, c'est dangereux. On glisse et après. Moi, j'ai fini... J'ai fini à l'hôpital aussi à Paris-Roubaix, ça m'empêche pas de dire que bah, c'est une course qu'il faut accepter telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, il est violé. Il est blessé, non ? Vas-y. Pas trop grave. J'ai jamais entendu un coureur qui m'a dit « bah t'es fou ». Jamais, au contraire, moi j'aime l'anecdote de Charlie Mottet qui a voulu faire Paris-Roubaix et le terminer. Et je me rappelle à la sortie des douches, il m'avait dit « écoute, c'est une course complètement différente des autres, mais le coureur qui n'a pas fait Paris-Roubaix, c'est pas un coureur. Ouais, ouais. » Et bah, Charlie n'avait pas sa place. Pas de prédisposition pour ça. Pour ça donc, et plus encore, des types comme Madio, Duclos, Ballerini, Daffy, Museu, eux, ils en redemandent. Ah bah eux, ils disent, il n'y a pas... Garder bien les pavés. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai dégonflé, mais trop tard. Ouais. Eh, Bartholomé, rentre dans la bagnole. Marc, il tout. Allez, les gars. Oh. Je suis loin, là, non? Ouais. Quoi, j'arrête, hein? Ah, je peux pas prendre le risque de continuer. Je croyais que t'allais bâcher, moi, là. Hein? Je croyais que t'allais bâcher, là. Ils reviennent par là, les soigneurs. Ah, ils passent là. Ouais, vas-y. Cette route-là. Le peloton qui vient de rentrer dans la zone 22 pour le peloton principal, zone 22, zone du pavé de Haussy. Ouais, on a 140 bandes de fait. Il en reste 120. Ouais. Dans la tête, l'euphorie commence à baisser. Allez, Jacques.
parti. Tu veux rien manger? Ça passerait pas, hein? On revient demain. Hein? Je mangerai mieux demain. Là, après à Rambert, c'est une course d'Indi, du chacun pour soi. Hein. Et bon, faut passer à Rambert. C'est véritablement l'enfer du Nord. C'est véritablement un Paris-Roubaix qui sera de plus en plus difficile. Parce que n'oubliez pas que nous n'avons couvert finalement qu'environ 100, 135, 140 km. Nous sommes pratiquement à mi-course, donc une dure, dure, donc chien sur ce je sais pas combien il faut votre personne ici, un millier de personnes. Les enchaînes sont là. Les autres le regardent à la télé, mais ils voient rien. Ils voient la télé. Mais on pourrait peut-être presque les toucher, mais ils vont trop vite. À Rambert, c'est un passage extrêmement délicat dans la mesure où il est long, il est sombre, il est souvent humide, il est fait de pavés assez difficiles dans la mesure où il n'y a pas vraiment de trajectoire idéale sur ce secteur-là. C'est un secteur où il y a aussi beaucoup de public. Maintenant, on a mis des barrières, donc ça change un petit peu la donne. Et autrefois, quand on passait dans cet endroit, il y avait le public qui était quasiment sur les pavés. On slalomait un petit peu à travers le public, ça donnait des images de télévision assez exceptionnelles. C'est Jean Stablinski qui a fait découvrir ça à Albert Bouvet pour justement en 68 faire passer la course par cette tranchée d'Arambert. J'ai travaillé 9 mois à la mine à Arambert, là, comme ça que je connaissais l'endroit. Et il est vrai que je suis le premier à avoir passé en dessous et au-dessus parce que ma galerie, quand je descendais à la mine, elle passait juste en dessous de ces pavés de Paris-Roubaix. Mais le jour de la course, il a eu très très peur, parce que c'est l'année où ils sont arrivés. Ils sont restés une vingtaine. Il pleuvait, vingtaine. Une vingtaine de coureurs sont arrivés à Roubaix. Ouais, et je crois que Jacques Godet était voir Albert Bouvet, lui dit bravo mon vieux, bravo, on a sauvé Paris-Roubaix. Et encore, même s'il n'y en avait eu qu'un qui serait passé, c'est quand même bien. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. Ils savaient tous que j'avais découvert un peu le parcours. J'ai pas osé d'aller aux douches tout de suite. Hein. C'était quoi la réaction La réaction, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Hein. Mais après, bon, c'est comme ça. Et maintenant, ceux qui n'ont pas connu les anciens parcours, bon, bah, ils prennent le parcours tel qu'il est. Chaque fois qu'il y a eu un accident, une chute grave ici, le lendemain de la course, on se demandait, les journalistes souvent, faut-il conserver la tranchée d'Arambert? Je me souviens que la première année où Museu a eu un accident grave ici, le titre des sports de Bruxelles le lendemain, faut-il trancher la tranchée, hein, le jeu de mots. Et on s'est fait attaquer violemment. Ces journalistes ne trouvaient pas avant
que c'était dangereux. Ouais. Alors le risque, il est inhérent à la nature de ce terrain. Notre mission, notre devoir, notre travail, c'est de les diminuer au maximum. C'est la raison pour laquelle, tu te souviens, on a commencé à protéger un côté, de sorte que les spectateurs ne viennent pas bousculer les coureurs et que les coureurs ne prennent pas le risque de glisser dans la gadoue. Voilà. Je crois qu'on navigue toujours sur le fil du rasoir. Hein. Comment faire en sorte que ça ne soit pas trop dangereux et comment faire en sorte que la course soit fidèle à son esprit, à sa légende, à ses risques. Coureur et qu'on fait Paris-Roubaix, qu'on va dans la tranchée d'Arenberg, on savait où on allait. C'est ce qui fait partie de la magie du truc. À partir du moment où on essaie de tout ordonner, de tout aseptiser, on perd de l'intérêt, je trouve. À un moment donné, il y a une responsabilité du coureur qui dit bah ouais, ok, j'y vais ou j'y vais pas, c'est tout. Alors ça peut paraître, ce que je dis, ça peut paraître un peu irresponsable. Mais il y a des choses comme ça auxquelles il ne faut pas trop toucher. Attention, traversez pas, s'il vous plaît. Là, ils vont arriver à plus de 60 km à l'heure pour arriver dans l'entonnoir. Regardez-les, regardez-les. Super. Ouais. 60 km à l'heure dans la tranchée. Magnifique. Et je parie que tu n'as pas parconnu, là. Aucun, mais je suis content. Je suis content. Oh les gars. Ouais. Tu as vu comment ils arrivent là? Des vrais gueules noires. Ils sont tous noirs. Putain. Regarde ça, là, t'as une vue là. Du truc. Tu vois un peu? Ouais. Là, il y a de la casse, toi. T'as pas de trajectoire ici. C'est nous qu'on appelle les gueules noires maintenant, c'est plus nous. Hein? Avant, on était les gueules noires. Maintenant, on peut plus avoir la gueule noire. Et ils nous remplacent, quoi. Dans l'effort, toujours dans l'effort. Maintenant, c'est vrai qu'on les voit noirs, ils sont sales, ils sont pleins de boue, ils sont tout humides. Comme nous, on était quand on était au fond, hein, remontée noire, humide et puis usée. Eux, ils arrivent, ils sont usés. Hein, plus que nous, hein, sûrement. Mais comme ce n'est pas souvent, nous, c'était tous les jours. Hein. La poussière, ils en avalent presque autant que nous quand il pleut pas. Mais enfin, je crois qu'il n'y a pas de comparaison. Pour moi, c'est aussi dur là que l'autre. Il n'y a pas de vainqueur. Ils sont tous vainqueurs. Le dernier. On est obligé de mettre un vainqueur, mais je dis que le dernier a autant de mérite. Autant. Je ne sais pas si vous avez vu avant la tranchée. Il y avait des coureurs, ils sont arrivés au passage de niveau avec 7-8 minutes de retard, mais ils ont voulu la passer la tranchée quand même. Ils ont voulu la passer, la trouver. Ils ont peut-être abandonné la sortie, mais ils voulaient la passer. Et c'est ce que j'aime bien de la course. 11 hommes de tête à l'entrée du secteur pavé numéro 13. Là, les autres, ils ont dû méchamment embrayer dans Arenberg. Hein. Forcing. Qui ça, lesquels? Incapi et compagnie, parce que nous, on n'est pas dedans, on est là. On est avec les lotos. Allez, Yann.
quand t'es dans la campagne tout seul, il te reste 80 bornes à faire. Pas bon quand même. Mais quand le ravito ? Il en veut plus. Il va arrêter ? Ouais, il va s'arrêter. Ouais. Oui. Mal. Ouais. Ouais, ça y est, non, il relève. Je vous rappelle que nous avons 8 coureurs en tête de course. Les dossards de Cassani, 8 Van Esweg, 12 Bodrogui, 33... On est derrière lui, il avance plus. Tenter d'attaquer, 86 Sveda, 93 Hoffman, 102 Bonnen. Il arrête. Bon, on arrête, on a vu personne. 198,5. Tiens-moi ! Putain, c'est pas possible ça ! Tire ! Ils pensent, ils rêvent, ils préparent ce rendez-vous. Donc c'est sûr que pour eux, c'est encore une année de fichu. Bon Chris, t'as toute ma confiance, hein. T'as toute ma confiance. Pampan, il est tombé. Il a bâché. Il n'y a plus que toi, alors on va aller tranquillement au vélodrome. À la sortie de la zone 1, je vous rappelle que le groupe Musset-Incapi est pointé à 1 minute. Allez Ludovic. Allez Christophe. Parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas l'occasion de voyager. Donc on allait voir les coureurs, on passait nos vacances. Parce qu'à cette époque-là, les équipes s'entraînaient. Elles passaient toute la semaine rue de Roubaix à Templeuve. Et on passait nos vacances à regarder passer Craxic, Anctil, Bobé. Donc pour nous, c'était une façon de voyager. On avait un problème, c'est entre Mont-Saint-Pével et Sizoin. On avait une zone d'une douzaine de kilomètres, ouais, où il n'y avait pas de pavé. Puis on avait dit qu'il faudrait qu'on en retrouve du côté de Templeuve. En plus, Templeuve, au lieu de Paris-Roubaix, dans les années 68, parce que ça passait par là, et il n'y avait plus de pavé. Et on s'arrête à Templeuve, il y a un moulin. Il y a le fameux moulin qui était caché par une grange. Moi, je ne savais pas qu'il existait. Si, moi, je l'avais repéré une fois comme ça, mais il y avait un chemin. Alors, il y avait des champs partout, puis il y avait une sorte de chemin. Et puis là, un jour, on est tombé sur une dame, Madame Farine, et chez qui j'allais avec Albert Bouvet, quand je suis rentré autour, dans les années 80, on allait chez ces gens-là, on passait systématiquement chez eux. Comme par hasard, on a trouvé cette dame-là au moulin. Et elle a entendu la conversation, on a dit, il doit y avoir un chemin quelque part. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, j'ai eu ma mère qui se rappelle être passée en vélo sur un chemin en pavé à côté du moulin. On va le chercher, je vais venir. Et un jour, on y va, et puis on s'est mis dans l'axe du moulin, puis on a dit, attends, on va bien... Ça doit être par là. Et puis on a commencé à creuser, puis on a tapé sur des pavés. Et il y en avait en dessous. Et il y en avait. Les travaux ont commencé.
Donc le lendemain, quand la pelleteuse est passée, il y avait environ 30 à 40 cm de schiste et de gravier. Et le 8 jours après, il s'était passé une balayeuse, les pavés étaient sortis de terre. Donc c'était comme un miracle, quoi. Et on a trouvé des pavés comme cela, en l'état. Pas esquinté, rien du tout. Au contraire, même peut-être mieux protégé ouais, que ceux qui... C'est ceux qu'on a pris pour la première ouais, fois l'année dernière. L'année dernière, ouais. Sur une... je sais pas, 500 mètres. 500 mètres. Ah, tant que ça, quand même. Ah ouais, 500 mètres. Il y a, donc, on a découvert 500 mètres de pavés. Et, cette histoire me fait penser que je suis sûr qu'aujourd'hui, il en existe ailleurs, mais il faudrait écrire des... C'est comme si vous aviez réussi des fouilles archéologiques. Là. Voilà, exactement. Vous avez trouvé des pavés. Exactement. Et surtout les derniers 72 heures là, donc on a travaillé en main pour essayer d'être dans le final, d'apporter sa contribution, d'avoir un résultat. A priori comme et la moto elle est là, c'est... presque à 100 km de l'arrivée déjà, on jouait plus dans les boules et on était déjà un peu en jeu. Quoi. Attends, on a un à l'arrivée, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre qu'ils finissent. Non, moi j'ai eu peur surtout là. Là, il aurait pu dire les gars, j'arrête, c'est bon, ouais. On n'aurait rien eu à dire. Hein. Ouais. J'aurais pas été lui dire, tu continues. Non, c'est vrai. Vraiment. Je sais, j'y suis passé, je te dis, moi j'avais remballé les boules. La sortie d'Arenberg, vestiaire. Plus un en course. C'était la grande équipe Renault quand même. Hein. Toi, Fignon, vainqueur du tour et tout dedans. Tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Plus un dans les boules. Non, rien. Dis bon, on a eu tout faux. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, et après, on a fait un et deux. Je te dis, moi, je préfère avoir toutes les merdes la même année. On a gagné en 97, on va pas pleurer. 97, on n'aurait jamais dû gagner. On gagne. C'est bien mon vieux Christophe. Non mais t'as rien à te reprocher. Approche-toi un peu. Il va les mettre à 2 minutes à l'arrivée. Fini. Chapeau, rien à dire. Rien à dire. Meilleur qui gagne. Guimard est venu à deux ou trois reprises lui dire, allez, tu as une minute d'avance, à une minute d'avance, il grimace, il sort la langue. Ah, il est vraiment en train de donner tout ce qu'il a dans le ventre, Marc Madio. À Paris-Roubaix, je me suis retrouvé quatre fois pour la gagne au carrefour de l'Arbre. Au bout de 200 mètres, je savais que... Les deux fois que j'ai gagné, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour gagner. Les deux autres fois, je savais que j'avais pas. C'est comme un combat, hein. J'ai un peu tendance à dire que sur les pavés, c'est un peu... c'est au couteau que ça se passe. Sur la route, c'est plus... C'est plus une belle bataille, entre guillemets, c'est plus rangé. Sur les pavés, c'est les tranchées. C'est au couteau que ça se finit. Tout peut se jouer maintenant. Si Duclos parvient à s'accrocher à Ballerini... On a le mental plus fort que les autres. Et là, à ce moment-là, on y va. On ne l'a pas et... on se fait triper. Hein. Dans le final, il faut tuer. Hein. Il y a un instinct de survie quelque part. Faut pas se poser de questions. On est là pour gagner, on n'est pas là pour se faire des politesses. Ça éclate devant Jean-Paul. Je sais que la deuxième fois que j'ai gagné parce que j'avais gagné une première fois. Parce que mentalement, j'étais plus fort que Valérie. Je l'ai fait péter dans la tête. Il l'a gagné après. Et là, s'il l'avait déjà eu gagné auparavant, j'aurais eu plus de mal. Et à un moment donné, c'est un rapport de force et... On sent le mec qu'on a à côté de soi. On le sent. Madio est parti, Marc Madio est parti. C'est l'essence même de la course cycliste qui est là, quoi. Entre le contact avec le public et puis ce rapport de force qu'il y a entre les coureurs à un moment donné. Ça devient une lutte d'homme à homme.
C'est ce qui fait tout l'intérêt et tout charme de la course cycliste. Marc Madiot, seul en tête de Paris-Roubaix. Marc Madiot en tête à 15 km de l'arrivée, un peu moins maintenant même. Marc Madiot se retourne, il sait que Ballerini n'est pas loin, mais il donne tout, Marc. Et il semble facile, il semble bien. On va vivre un final extraordinaire. Puis la dernière fois que j'ai participé à Paris-Roubaix, je suis tombé, j'ai fini à l'hôpital. J'ai dit là, c'est le destin qui te dit qu'il faut que tu t'arrêtes, c'est fini. Je me suis retrouvé à l'hôpital, la première chose que j'ai demandé, c'est de pouvoir suivre la course à la télé parce que je voulais savoir comment la course allait se terminer. Je n'étais pas du tout abattu ni déçu, j'avais bouclé la boucle. Et t'as fait rideau ce jour-là, hein ? Ouais. Et j'étais en paix avec moi-même, j'avais fait le tour de la question, j'avais réalisé ce que j'avais envie de réaliser et puis... Non, j'étais bien. J'étais sur un lit d'hôpital, mais j'étais bien. Entrer dans le Vélodrome, faire son tour d'honneur, aller à la douche, c'est une fierté de devoir terminer Paris-Roubaix, quoi. À 3 minutes ou à 15 minutes, ce qui compte, c'est mettre un honneur en traversant la ligne d'arrivée au Vélodrome. Non, laisse tomber, hein, il va repartir. On va finir à pied, c'est bon. Catastrophe. Bon, au moins, on sait pourquoi, on est pas dans les boules. C'est la déroute. Pas un pet d'adhérence. Hein. T'as vu comment elle est, la roue? Je peux pas appuyer, là. Enfin, il roule sur de la glace. Regarde le boulot. Voilà, là, il va encore s'en prendre une. Encore 100 mètres. C'est pour ça qu'elle est bandante cette course. C'était toujours sur le fil. Ah, c'est un monument, hein. Mais c'est un monstre. Ah, c'est ce qui fait toute l'histoire du truc. Hein. Quand tu gagnes, tout devient facile. Quand t'es derrière, ça devient une galère à tous les niveaux. On rentre sur le Vélodrome. Là, t'as, à un moment donné, t'as des frissons, une chair de poule qui te monte. Ouais. Écoutez le public de Roubaix. Écoutez ça. Oh, quand le cycliste vient comme ça, en communion avec son public, on se croit dans la foule. Le moment le plus fort, je crois que c'est le virage quand on entre sur le Vélodrome. Oui. Le virage là. Là, il y a 20-30 mètres, c'est magique. Après, on est dans le truc. Mais les 20-30 mètres d'entrée sur le Vélodrome... Quand on rentre dans la Seine, ouais, comme je dis, quand on rentre dans l'arène, c'est grandiose. Je pense que c'est un peu comme les matadors qui rentrent dans une arène. Moi, j'ai vécu quelque chose de grandiose. C'est que j'étais à l'entrée du Vélodrome, juste au portail, même dans le boulevard avant. J'entendais le public qui scandait mon nom. Je suis rentré ici, il y avait un tour et demi à faire. Hein. Je peux vous dire, on aurait pu me demander d'en faire 50, je les aurais fait parce que le public me portait énormément que je ne sentais plus le mal aux jambes et j'avais oublié. La deuxième fois, c'était beaucoup plus tendu. C'est vrai que quand je suis rentré ici, de là à là, je me suis déconcentré, je dirais, à l'entrée du virage et du sprint et de ce que je devais faire parce que j'avais besoin d'entendre ce public qui scandait encore mon nom alors que j'étais avec Ballerini. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait faire l'effort supplémentaire pour venir garder la demi, je dirais, les 8 cm d'avance. Ballerini le surveille. Toutes nos erreurs. Bien joué. Bien vu. S'il prend la pédalier. Il faut monter, Duclos. Ah, Ballerini dans sa roue, ce sera difficile. Duclos a choisi de terminer en costaud. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser. Mais Ballerini revient à sa
temps où on l'a gagné une fois, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein, on sait ce qui peut nous arriver, on va essayer de déjouer tous les pièges. Puis quand on part dans une course comme Paris-Roubaix, c'est là où l'expérience joue un rôle important, c'est que en général, arrivé à un certain âge, on a tout vécu, le bon comme le mauvais. Donc on sait qu'on peut tout rencontrer et qu'il faut accepter de tout rencontrer. Donc je dirais qu'avec l'âge, c'est quelque chose que l'on accepte, qu'on est bien obligé d'accepter et que l'on a, je dirais, intégré avant de prendre le départ. C'est vrai que derrière, quand on veut finir par Roubaix, il faut savoir surpasser, je dirais, deux fois plus le mal que devant, pour moi. Le courage, on l'a d'autant plus qu'on a l'envie. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un tel public sur le bord de la route, qu'il y a une telle reconnaissance au niveau extrasportive de l'effort fait et accompli par les coureurs. Beaucoup de ces coureurs souhaitent arriver à Roubaix et puis terminer la course. Pour l'honneur d'avoir terminé, pour remercier le directeur sportif, pour remercier l'encadrement. Mais pour dire j'ai terminé Paris-Roubaix aussi. Et c'est pour ça que tous les arrivants, à l'image de Mangin et de bien d'autres, hein, quand ils passent la ligne, c'est véritablement une délivrance et un honneur aussi d'avoir terminé. C'est pour ça que c'est un vrai coureur, moi. Moi, ça m'aurait fait mal au trip de ne pas avoir un mec à l'arrivée. Je sais que c'est un risque qui existe. Comme on l'a encore vu cette année, il y a tout un tas d'aléas qu'il faut maîtriser et qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais de ne pas arriver au Vélodrome, ça fait mal. Hein. Paris-Roubaix, il faut 6 mois pour s'en remettre et 6 mois pour se motiver. Donc, je pense qu'on verra dans 6 mois dans quel état on sera. Mon plus beau souvenir, ouais, c'était chez les amateurs, Paris-Roubaix. Là, j'arrive en tête sur le Vélodrome avec 50 mètres d'avance. C'était quelque chose, j'espère, et je rêve d'y arriver un jour pour la gagne. Celui qui rêve pas à Paris-Roubaix, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Si, ou autour, s'il rêve pas, je pense que Marc est pas un coureur. Un coureur qui ne rêve plus n'est plus un coureur. Hein. Non. S'il n'y a plus le rêve quand on fait ce métier-là, faut arrêter tout de suite. Hein. Tout de suite. Si c'est que uniquement pour la paye, il faut arrêter tout de suite. C'est le conseil du vieux, là. Il faut rêver à Paris-Roubaix, il faut rêver au Tour, il faut rêver à des épreuves. Il faut rêver à mythiques. N'importe quelle course, mais il faut rêver. Si on rêve plus... Ouais, mais si on rêve pas au mythique, on va pas rêver aux petites. Il a gagné, Marc Madio. Il ne veut plus rien lui arriver. À la limite, j'allais dire, il pourrait presque terminer à pied. Bravo, Marc Madio. Merci pour cette victoire. Paris-Roubaix, de toute façon, je crois qu'on l'aura avec nous jusqu'au cimetière. On mettra nos pavés. On l'aura avec nous jusqu'au cimetière. Des plaques que vous avez mis spécialement pour la course. Ah oui, pour protéger. Ah oui ? Ah oui. Mais c'est fait pourquoi ? Pour protéger le carter en cas de choc ? Ouais. Escalier, s'il vous plaît, escalier pour vous mettez derrière votre coureur. Normalement, elle ne devrait pas toucher là. Finir, ça continue. C'est la bagnole qui est restée là. Oh là 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 là. Hey.
Hein ? Arrête-toi pour enlever la plaque. Bah, je peux pas l'enlever, elle est vissée. À mon avis, il y a une ou deux vis de partie, mais je peux pas l'enlever. Faut que je finisse comme ça, hein, tant bien que mal. Regarde, ça me bouge. Hein. Tennis, comme Justine, tu as besoin de ta carte AFT. La carte AFT, je l'ai. Et toi ? Demande-la dans ton club. Couche de suspense. Centre de l'habitat. Cette année, le Centre de l'habitat agrandit encore sa salle d'exposition. Avant mes travaux, tout doit partir. Meubles d'ébénisterie, chambre, cuisine équipée, literie, salon haut de gamme, tous mes prix sont écrasés. Il faut absolument venir me voir. Le chemin des bonnes affaires, c'est le Centre de l'habitat, E42 sortie 14, Sambreville. Centre de l'habitat. Dès ce mardi 30 mars, les quotidiens de Vers l'Avenir vous fixent un rendez-vous très iodé. Toute la semaine, découvrez plage par plage les plans et le guide de nos cités balnéaires. Le littoral se dévoile dès ce mardi, rien que pour vous, dans Vers l'Avenir, le courrier de l'ESCO, l'avenir du Luxembourg, le jour et le courrier. Vous voulez faire de l'argent avec ce qui vous encombre ? Ça tombe bien. Chez Cash Converters, c'est vous qui remplissez le magasin. Vous entrez avec du solide, vous sortez avec du liquide. Cash Converters vous paye cash tous les objets qui ne vous servent plus. Et vous pouvez acheter à des prix incroyables des articles de qualité, soigneusement contrôlés et garantis. Cash Converters, nous achetons cash, nous vendons avec garantie. Cash Converters. Talent taché à la maison ? Faites confiance à Persil. De super cadeaux, tabliers, bandanas et feutres attendent les artistes en herbe. Maintenant et temporairement dans vos produits Persil. À Pâques, la nature retrouve sa jeunesse. Et nous, nous retrouvons nos joies d'enfance. Ferrero Rocher, mon chéri. De grands chocolats pour que la fête de Pâques soit partagée par tous. Vivez toute l'émotion de Pâques avec Ferrero Rocher et mon chéri. Au lendemain du Grand Prix de l'E3 et surtout une semaine avant le Tour des Flandres, eh bien voici une autre classique flamande, à savoir la flèche brabançonne. Les noms des vainqueurs sonnent bien à l'oreille. Hein. Il y a rarement eu de petits vainqueurs dans cette flèche brabançonne. On peut penser à Van Hooydonk, à Bogert, à Bartoli, mais bien sûr également à Johan Museeuw. Sur la route de la flèche brabançonne, on trouve Laurent Bruvier. Bon programme télé avec Win4Life, un jeu à gratter de la Loterie Nationale. Madame, Monsieur, bienvenue pour la 44e édition de la Flèche Brabançonne avec, eh bien, vous avez entendu Pierre Depré vous annoncer le palmarès. Il y aura le vainqueur sortant, Bogert, au départ. Par contre, Johan Museeuw a décidé, après sa performance hier dans le Grand Prix de l'E3, de ne pas prendre le départ ici à Zaventem, puisque les choses ont changé. Innovation de la 44e édition. Le peloton s'était lancé de Zaventem en direction de Bersel et l'ascension et l'arrivée au sommet de la côte d'Alsenberg. Il y a eu un petit peu d'animation quand même dans cette course depuis le départ. Une première échappée qui est partie au kilomètre 8 avec Paolo Bettini dans le groupe de 15. Le groupe qui a compté jusqu'à 35-40 secondes d'avance. Et puis logiquement,
Le peloton est revenu, regroupement, attaque ensuite avec Bartoli dans un groupe de 16 au kilomètre 70. Ils ont été repris lors du premier passage ici sur la ligne à Alsenberg. Et directement après, nouvelle attaque avec un groupe en tête qui comprend 23 coureurs et parmi eux, Axel Merckx, accompagné de deux équipiers, Van Sevenant et Steekmans. Van der Hoever est également là aussi. On retrouvera Didier Roos, le champion de France, De Groot, Dunbacker et Moutsaerts de l'équipe Rabobank. Et puis chez Quickstep, David Amon, on aura Tankink, Neuens et Kretzken. C'est là pour les plus grands noms des 18 hommes de tête. Vous voyez le palmarès du Grand Prix de l'E3, eh bien, ça c'était hier, ça s'est déroulé hier avec, on le rappelle, la victoire de Tom Bonen au sprint devant Kirsipu et le champion d'Estonie, Noduz, maillot Bordeaux avec du blanc, maillot qu'on est habitué à avoir puisqu'il y a quand même eu des coureurs prestigieux qui l'ont porté, Roman Svensteins, ancien champion du monde, et Révis Belovozic qui avait remporté, lui, les trois jours de la panne l'année dernière. Vous voyez le palmarès de la Flèche Brabantson, Bartoli, Van Hooydonk, Musset et De Waal. On rajoutera Bogaerts, que des noms prestigieux, avec Piane Gonda qui courait à l'époque chez Mapei en 97, qui s'est imposé. C'est un espoir italien qui n'a jamais confirmé.